Salut à tous. Ce message voudrait souligner l'engagement de tous les membres de TACU. Je constate que nous faisons preuve d'un grand engouement pour l'avancement des dossiers qui nous tiennent à cœur. Le bureau que je représente, vous le savez si bien, n'est qu'à 3 mois de son mandat. Et tout le monde travaille fort. Félicitations à tous. À la dernière AG, nous avons su miser sur l'utile. Tonton Maurice nous a montré comment réussir au Canada grâce à l'entrepreneuriat et comment payer moins cher nos impôts. En cette période de déclaration de revenus, je trouve que c'est très utile. Nous avons aussi présenté un calendrier annuel qui organisera nos activités durant toute l'année. Pour ce qui est de notre célèbre danse traditionnelle, nous sommes invités au Week-end du Monde. Eh bien, nous allons danser pour Montréal. Pour être prêt, je nous ai déniché une belle grande salle qui va servir non seulement pour nos âgés, mais aussi pour nos répétitions de danse. Et enfin, je voudrais dire bravo à Tonton Mazino pour son travail qui sert à réglementer la publicité dans l'association, ainsi que du site web. J'ai toujours hâte d'y aller pour voir ce qui est de nouveau. Globalement, je pense que nous progressons super bien. D'autres dossiers sont en train de suivre son cours. À la prochaine AG, nous discuterons de l'éventuelle collaboration avec d'autres associations culturelles. Nous allons aussi parler de notre renforcement d'identité. Pour cela, nous choisirons un tissu peigne pour tous, à l'image de nos liens, à l'image de la culture bamboutose que nous représentons si bien. Alors, je vous souhaite un agréable début de printemps. C'était Florette Luna, présidente de TACU. Tiens à vous.